Donc, Didier David, chef de cuisine, hein, responsable du service de restauration. Donc, moi, je suis au lycée depuis 2000. Voilà, donc on s'est lancé dans la démarche bio il y a déjà quelques années. Et petit à petit, on progresse, quoi. On arrive à trouver des fournisseurs, ou bien les fournisseurs viennent nous voir directement ici. Ce qui nous permet d'élargir notre gamme de produits. Bio. Je m'appelle Pauline Husson, je travaille pour l'association de producteurs maraîchers bio des Pays de la Loire qui s'appelle Bio-Loire-Océan, qui regroupe des producteurs de la région et qui a créé une plateforme en 2011 sur le Grand Saumurois pour pouvoir livrer des fruits et légumes biologiques aux établissements, notamment le lycée Joachim Dubélé qu'on livre très régulièrement. On a une gamme très diversifiée, donc on passe des légumes racines, légumes anciens, de la courge, ça peut être aussi des légumes à feuilles, et également des fruits. Donc bon, en ce moment on est sur les pommes principalement parce que c'est issu de notre terroir. Et ensuite on aimerait bien passer aux fraises quand le soleil voudra bien se lever. On est très satisfait de la qualité des légumes. C'est vrai que parfois les élèves reviennent, ma pomme elle a un trou, elle est bizarre. Donc je leur explique, hein, c'est ça ou c'est 30 traitements. Donc ils choisissent la pomme qui est un petit peu percée ou un petit peu difforme. Hein, parce qu'il faut savoir qu'une pomme qui n'est pas bio, il y a minimum une trentaine de traitements. Nous, c'est un choix aussi de travailler tous ces produits, un choix d'équipe. Hein. C'est vrai que je suis un petit peu le moteur dans cet esprit. La région Pays de la Loire nous pousse aussi à travailler en sorte. Mais avant tout, nous, c'est un esprit d'équipe. Quoi. Toute l'équipe de cuisine est investie dans ce projet. Donc c'est pour ça qu'on avance petit à petit, mais sûrement. Quoi. Et on est très confiants. C'est vrai qu'on progresse d'année en année dans les produits bio. Ouais. C'est Christine Charbonnier, je suis exploitante agricole sur le Mets-sur-Èvre, près de Cholet, avec mon mari. Et donc depuis, ça va faire 3 ans maintenant, on livre ici le lycée, en lait bio et yaourt bio. Donc on a commencé la fabrication de yaourt il y a 2 ans, hein, sous l'impulsion des chefs cuisiniers. On livrait le lait au départ et ils nous ont demandé si on pouvait les livrer en yaourt, donc on s'est lancé dans le projet. Donc c'est vrai que ce projet-là a permis d'embaucher, de maintenir un emploi sur l'exploitation et d'embaucher quelqu'un en plus à mi-temps. Donc on est en exploitation biologique depuis 1997, donc ça c'est pas nouveau. Et on a un cahier des charges à respecter avec un contrôle tous les ans d'un organisme qui s'appelle Qualité France, qui lui, à la suite de son contrôle, nous donne le certificat biologique. Alors, je connais les producteurs au gré de mes rencontres lorsqu'ils viennent livrer leurs produits, mais je ne les connais pas personnellement. Mais je sais, parce que nous avons des réunions de services qui nous permettent d'échanger là-dessus, je sais que la politique de l'établissement en termes de raccourcissement des circuits de livraison, en termes de livraison de produits biologiques, de produits produits au plus près possible de l'établissement. C'est une préoccupation de la cuisine. Et depuis quelques années, à la fois les agents de l'établissement se rendent dans les exploitations agricoles qui sont nos fournisseurs. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous étiez là, mais on a fait venir une vache et son veau dans la cour de l'établissement. Vaches et veaux qui appartenaient à l'un des fournisseurs, au fournisseur de lait du lycée. Et nous, on a fait découvrir un peu tout ce qu'on faisait avec le lait, avec votre lait bio. Donc, dégustation, on avait fait du lait chaud, cacao, et après de la semoule, de la bouillie au chocolat, du riz au lait, des entremets, tout un tas de. Donc, pour la récréation. Et ça avait été très très bien perçu par les élèves. Et c'est vrai qu'une vache à l'intérieur du lycée, c'est pas commun. Donc c'était une belle petite opération, drôle et instructive. Donc Fabien, fabricant de pâtes fraîches alimentaires donc à Mésangers en Loire-Atlantique, du côté d'Anceny, entre Angers et Nantes. Donc fabricant de pâtes fraîches depuis 1 an et demi maintenant.
exclusivement de la pâte fraîche. Aujourd'hui, en fait, je livre pas mal de lycées et collèges dans les départements de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, qui sont en gros les deux départements de ma zone de chalandise. Et puis, je distribue aussi pas mal de petites épiceries sur Angers, sur Nantes, sur Cholet. Alors en moyenne, on va dire sur les bons mois, comme le mois dernier, on va tourner à peu près à 1,3 tonnes, 1,4 tonnes. Les moins bons mois, je vais être en 600-700 kilos, on va dire quasiment moitié. Quoi. Aujourd'hui, je suis seul, donc comme j'évoquais tout à l'heure, fabrication, livraison, prospection, administration, gestion de site internet. Donc après aussi dans la démarche environnementale, voilà, une production qui s'est faite hier est livrée aujourd'hui pour apporter un produit en vrac certifié. Et du coup, vous avez un produit zéro déchet. Moi, je passe moins de temps à la fabrication et en l'occurrence, pour les déchets cuisiniers, zéro déchet pour eux. Je récupère mes paniers sur la livraison qui suit. Quoi. On n'a pas de déchets, puisqu'on n'a pas de briques de lait, on n'a pas de carton, pas de plastique. Les bidons, ils sont redésinfectés chez eux. Ça en sert. Pas de déchets, zéro déchet. Alors, les agents qui sont à la cuisine, il y en a deux catégories. Il y a des agents qui restent en permanence à la cuisine et d'autres qui sont à la fois à la cuisine et au service général. Je les vois tous les jours. Donc j'ai donc un second de cuisine, Vincent Meunier. Après on a donc un chef pâtissier, André Ouvrard, hein, qu'on a recruté ici au lycée. Il est arrivé comme agent et il était même au ménage. Et quand on a connu ses compétences, on l'a pris en cuisine. Après il y a donc Jacques Chéreau qui est cuisinier, aide de cuisine. Yvonne, Madame Marpeau, qu'on a vu tout. Et puis on a Frédéric qui s'occupe de la légumerie. Il nous fait tous nos légumes, ainsi que la plonge, la grosse plonge, qui est un poste qui est très très lourd, beaucoup de travail. On fait ce qui est marqué là-bas. On a notre fiche. On a notre fiche de plat tous les jours. Donc on s'y tient. Hein. Faire ce que le chef a dit. Mon rôle par rapport à la cantine, c'est de vérifier et de signer les menus qui sont offerts à tous les rationnaires de l'établissement. Donc, les menus sont élaborés par le cuisinier et signés par la gestionnaire de l'établissement et par moi-même. Je fais une totale confiance à M. David, qui est le chef de cuisine de l'établissement, et à Mme Chardon, qui gère cette élaboration des menus très bien. On a un parmentier. Et ça s'est plus tout seul. En fait, quand on est de l'après-midi, on fait beaucoup de production de desserts pour le lendemain. La production d'entrée, elle est faite là maintenant. Et tout ce qui est préparation du show, parce qu'on avance un petit peu sur le show, parce que forcément, faire 800 couverts tout seul, faut y aller, quoi. Et quand même, t'as un petit peu d'avance sur les viandes, qu'elles soient au moins déballées, préparées, assaisonnées, t'as juste à les mettre en cuisson, quoi. Si on arrive le matin, il n'y a rien de fait, c'est hyper lourd, on a trop de choses à faire. Pour anticiper, pour ne pas être au dépourvu. Comme là, par exemple, on a des carottes ce matin, on les a reçues ce matin, mais ça a cuire tout à l'heure, donc il va falloir vraiment que ça aille très vite. Qu'on puisse les mettre en vapeur et les faire revenir, mettre un peu de beurre et que ce soit un petit peu cuisiné, un minimum. Quoi. Alors tous nos desserts sont décorés, hein, soit avec des petits gâteaux, souvent avec des petits gâteaux que je fais, des madeleines, des financiers, des macarons. Donc là, je vais mettre les points. Ça c'est des entremets donc faut toujours rappeler le parfum, donc je mets une tranche de citron. La particularité en fait des pâtes que je réalise par rapport aux gros industriels, c'est déjà sur la,
la conception de la pâte. Aujourd'hui, on va trouver au mieux du 110, 140 grammes d'œufs par kilo de semoule. Moi, je suis à 210 grammes, donc c'est-à-dire qu'il y a un tiers d'œufs en plus, donc qui apporte un aspect gustatif supplémentaire et une bonne tenue à la cuisson. Autre particularité, c'est sur le fait que tous mes produits ne sont pas pré-cuits. Aujourd'hui, en grande surface, vous allez trouver des pâtes fraîches. Toutes les pâtes fraîches en grande surface sont pré-cuites. Au lieu de cuire vos pâtes sèches en 10 minutes, 8 minutes, là, vous allez tout cuire en 2 minutes. Allez, c'est parti. Allez, on s'arrête. Là, on a mis en place aussi un étiquetage de nos produits sur le self pour identifier les produits locaux, produits bio, les produits aussi sans gluten, parce que de plus en plus de jeunes sont allergiques au gluten, donc on y fait attention. Aussi les repas végétariens, donc on essaie d'avoir des entrées à base uniquement de légumes. C'est beaucoup de plats végétariens. Et ça, c'est hyper bien, franchement. Enfin, tous les lycées font pas, en fait. Donc, voilà. Et bio, ouais. Surtout bio. Moi, tout seul, je ne m'informe pas du tout. Mais en revanche, il y a toujours des petites étiquettes, des petites choses. Et puis, si on demande, on nous renseigne à chaque fois. Ça a été fait dans le coin. Ça, c'est... etc. On sait ou on peut savoir, en tout cas, l'origine des produits qu'on a. J'avais une salade composée des nouilles, qu'on appelait des coquillages, avec un gratin d'épinards, une pomme, et pour finir, j'ai un gâteau de pommes aussi. C'était des pâtes qui sont vraiment délicieuses, avec du chili. Alors, ce midi, j'ai choisi un potage aux légumes. J'ai mangé également une soupe aux pommes, enfin une salade de pommes de terre. Ensuite, des pâtes fraîches aux œufs avec une escalope de porc et une banane. Voilà. Épinards avec pâtes. Ensuite. Concombre en entrée. Avec ensuite des épinards, gratin d'épinards à moitié. Des pâtes, elles étaient hyper bonnes. Franchement, c'était très bon. Ensuite, j'ai pris deux clémentines et j'ai pris un dessert, là. C'est un truc spécial pour Pâques, c'était bien fait, enfin, c'était hyper bon, c'était une crème au chocolat blanc, franchement c'était hyper bon. Ouais. Donc j'ai mangé des pâtes et un gâteau à la pomme. Un yaourt bio et un gâteau, voilà. Je trouve qu'on a un self qui est vraiment sympa, les cuisiniers sont très sympathiques, bon, ils font des petites blagues et... Ils font vraiment attention à la qualité des aliments. On a des aliments bio, des aliments qui viennent de la région. Donc on a vraiment, ils font vraiment un travail dessus et je trouve que les menus sont variés. Moi vraiment ça me plaît, les menus du H1. Franchement bah, c'est hyper bien parce qu'on peut manger beaucoup et se gaver un peu, mais tout en ça reste assez équilibré. J'ai fait beaucoup de... beaucoup d'établissements scolaires et il est rare de s'y bien manger, surtout c'est extraordinairement varié. On mange, il y a beaucoup de choix, aussi bien d'entrée qu'en plat, qu'en dessert. Et tous les gens qui sont là pour servir sont aimables, ont envie de faire partager le plaisir qu'ils ont eu à faire ce qu'ils vous proposent. Voilà, donc c'est un plaisir d'y manger. C'est ce qu'on se dit tous les jours, on est en concurrence avec. Avec les restaurants qui sont près de chez nous, hein, ou les marchands de sandwich, pizza et tout ce qui s'ensuit. Donc bah, pour nous, c'est un challenge aussi de conserver nos élèves au lycée. Il faut savoir que l'an dernier, sur l'année 2014, on a servi 12 300 repas en plus sur l'année 2014 par rapport à 2013. Beaucoup, beaucoup d'élèves mangent dans l'établissement et j'ai fait le calcul. 94% des élèves du lycée mangent à la cantine. Donc ça prouve toute la qualité de notre restauration scolaire. Après, c'est vrai que l'avantage qu'on a ici, moi j'ai fait d'autres lycées avant, hein, j'ai fait aussi de la restauration en gastronomie, 3 étoiles Michelin, on ne voit pas les clients.
J'ai fait d'autres lycées. L'avantage de Joachim, on a quand même des élèves qui sont très agréables. Il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais. Ça se passe vraiment très très bien. Quoi. Donc c'est vrai que pour nous, on se doit aussi de leur faire plaisir. Ils nous font plaisir, ils sont agréables. Quoi, donc on est heureux de passer ces bons moments avec les élèves.